Votre navigateur actuel, il n'est pas fait pour que vous soyez efficace. Il est fait pour que vous alliez sur Facebook, pour que vous alliez sur YouTube et aller naviguer sur plein d'onglets. Sauf que quand il s'agit de travailler, là, on a un petit souci. Et là, ce qui se passe généralement, c'est que on a notre productivité qui a un peu de mal. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit logiciel assez sympa qui s'appelle Notion. Motion et pas Notion, justement, parce que Notion, c'est complètement autre chose. Qui va vous permettre d'être plus productif. Donc, bienvenue sur Digital Wink et puis surtout, restez pour la suite parce qu'on va faire une petite masterclass sur ce logiciel qui s'appelle Motion. Bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui parle de no code, de growth, mais aussi de productivité. Donc, bienvenue sur cette masterclass si vous êtes en live ou alors si vous regardez tout ça en replay. Bienvenue à vous aussi. Donc, aujourd'hui, dites-moi aussi si vous m'entendez bien parce que je viens de brancher ce micro, j'ai changé d'endroit parce qu'ils sont en train de remplacer le frigo derrière. Désolé s'il y a du bruit. Mais voilà, aujourd'hui, on va passer sur ce nouveau logiciel qui s'appelle InMotion. Je vais beaucoup partager mon écran. Je vais vous montrer pas mal de fonctionnalités. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Première chose, on va voir comment est-ce qu'on comment on utilise mieux notre calendrier, comment est-ce qu'on passe moins de temps à chercher un meeting, etc. Comment est-ce qu'on envoie des emails rapidement, on cherche plus facilement dans des Google Docs. Comment, quand est-ce qu'on a besoin de faire une recherche LinkedIn, on n'ouvre pas le LinkedIn en entier, ou alors quand on a besoin de prendre des notes, comment on fait pour que ça aille plus rapidement. Donc, sans plus attendre, on passe directement à la suite. Donc on va parler de Motion. Motion, c'est quoi? C'est cette application qui vient de sortir, qui est assez récente. Ils étaient encore en bêta privée pendant un petit moment, sauf que là, ça y est, maintenant ils sont en mode public. Alors ils obligent à passer par la démo, mais étant donné que c'est moi je vous fais la démo, vous pourrez dire juste que il y a Shubham de Digital Wink qui nous a fait la démo, donc vous n'êtes pas obligé de passer par le CEO qui fait toujours les démos, ce qui est génial. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau logiciel? Alors c'est quoi la proposition de valeur? La proposition de valeur, c'est de dire utilisez votre browser Chrome d'une manière plus correcte, d'une manière plus optimisée. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc on va passer déjà sur la première utilisation qui est en fait le calendrier. La première chose, c'est le calendrier qu'on va pouvoir ouvrir avec option C. Alors déjà, rien que pour commencer, pour pouvoir avoir ce logiciel, déjà, c'est pas gratuit, c'est 20€ par mois. Donc clairement, là, si vous n'êtes pas attaché à votre productivité et que vous ne voulez pas du tout payer 20€ par mois, clairement, vous allez vous dire, mais ouais, en fait, c'est pas pour moi. Alors moi aussi, j'étais comme ça initialement. Et moi, j'ai aucune affiliation avec InMotion. C'est juste que c'est un logiciel que je trouve juste génial. Mais en gros, c'est un petit outil, mine de rien, qui me fait gagner beaucoup de temps. Et vu, on va dire au prix où je vends mon temps, gagner je ne serait-ce que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, c'est beaucoup d'argent. Donc moi, je suis OK pour payer 20€ par jour. Pas par jour. Donc voilà, comme je l'ai dit, le calendrier avec option C. À quoi ça ressemble? En fait, quand je suis sur mon browser, donc imaginons que j'ouvre une page, n'importe laquelle, je vais pouvoir faire option C. Et qu'est-ce que ça va faire option C? Ça va m'ouvrir mon petit calendrier en bas que vous voyez. Alors, juste, je vais aller sur une autre page comme ça, hop, vous me voyez ça, tac. Donc voilà, quand je vais aller sur option C, et je suis sur n'importe quelle page, tac. Donc, admettons, je suis sur cette page et j'ai besoin d'accéder à mon calendrier. D'habitude, ce que j'aurais fait plus et j'aurais mis calendrier. Alors que là, j'ai plus qu'à faire. Donc, option C, Alt C pour les personnes qui sont sur Windows. Et là, voilà. En fait, j'ai accès directement à mon calendrier. J'ai accès est-ce que je commence à l'heure? Mais oui, je commence à l'heure. Mais bref, j'ai accès directement à mon calendrier où je peux directement avoir, si j'ai mis, par exemple, un rendez-vous Google Meet, par exemple, je peux directement avoir le lien pour pouvoir join le call dans ce truc-là. Et pareil, je peux évidemment créer mes rendez-vous directement ici, comme sur Google Chrome. Si je fais tab, j'ai accès à tout mon calendrier des semaines, comme ça, directement. Et là, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que ça me permet de pas surcharger mon écran parce qu'une fois que je fais Escape, j'ai plus de calendrier. Donc, PonC, c'est un truc super rapide qui me permet d'accéder à mon calendrier.
autre chose liée à ce calendrier, en fait, c'est donc mes meetings. En fait, ce qui va se passer, imaginons qu'ici, bah, voilà, j'ai un meeting qui arrive dans lequel bah, j'ai un lien Zoom ou un lien hop, donc je vais noter ça comme n'importe comment. Dès que j'ai un lien Zoom ou un lien Google Hangout, en fait, dès que je vais appuyer sur option M, hop, ça va directement m'envoyer, en fait, si c'est dans les 30 minutes avant cette réunion, ça va directement m'envoyer vers le Google Meet ou alors le Zoom de ce truc-là. Donc, par exemple, je suis en train de naviguer. Là, j'ai une petite notification qui me dira « Oh, ton rendez-vous commence ?» Je fais « POM, M ». Et là, directement, je vais sur Google Meet sur la réunion en question sans forcément changer quoi que ce soit, aller sur mon Google Calendar, etc., etc. Donc, hop. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui est assez cool. Hop, on me demande, tu es dans quel majeur d'EPITA ? Question qui n'a rien à voir, mais j'étais dans Télécom, j'ai fait une école qui a fait EPITA. Et qu'est-ce qu'on me demande aussi ? Le lien est pour accéder à Motion. Merci beaucoup, Julien. Julien qui était passé sur mon dernier live de la semaine dernière. Je vous invite à regarder son live, vraiment super intéressant. Un peu technique, certes, mais super intéressant. Autre chose, du coup, donc comme je vous l'ai dit, on a fait ce petit truc-là pour le meeting qui arrive. Il y a un autre truc que moi j'aime beaucoup parce que je déteste utiliser maintenant Calendly parce que ça fait Calendly, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit logiciel qui vous permet de mettre aux disponibilités, de l'envoyer pour que les personnes puissent prendre un rendez-vous. Mais le problème avec Calendly, c'est que ça vous fait passer pour un espèce de ministre qui n'a pas le temps et qui du coup je te donne mon Calendly et puis tu choisiras toi-même, tu prendras rendez-vous avec moi. Et souvent, c'est vrai moi je déteste en tout cas me mettre dans une situation où je dis prends mon calendrier et puis tu prendras rendez-vous parce que ça fait un peu péteux selon moi. Et du coup, en fait, il y a ce nouveau truc, c'est les dispos du calendrier avec option A. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait, donc je reviens ici. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais être ici et que j'ai plus qu'à appuyer donc sur option A, tac. Et qu'est-ce qui va se faire? En fait, il m'a copié automatiquement ces trucs-là. Donc, il est allé regarder dans mon calendrier et il a regardé quels étaient les moments de libre et puis il les a copiés directement. Donc là, hop, pomme A, tac, c'est copié. Donc, si jamais avec option C, j'ajoute quelque chose ici, ça va être automatiquement pris en compte ici dans mon presse-papier. Et alors, ce qui est cool après, c'est que j'aurais plus qu'à le coller ici directement, hop, et puis voilà, j'ai plus rien à faire. Et en fait, ce qui est cool, alors ce truc-là aujourd'hui, on peut pas forcément changer la langue, etc. Mais en réalité, les gens comprennent assez bien quand on parle en anglais et quand bien même, ça évite d'aller regarder son calendrier pour savoir quand est-ce qu'on est dispo. Et ça, c'est cool. Et alors, pour ceux qui ont plusieurs comptes Google, donc un compte Google perso, un Gmail et un compte Google entreprise, ce qui est cool, c'est que ça va permettre de lier les deux. Et suivant dans la session dans laquelle on est, on va pouvoir faire des actions différentes et puis ici avoir un calendrier différent. Bon, petite question de Benjamin, il me dit InMotion, c'est moi ou c'est un espèce de Alfred, mais pour le navigateur? C'est exactement ça. Hein, pour ceux qui connaissent pas Alfred, en fait, Alfred, ce qui est cool avec Alfred, c'est quand je fais pomme 0, hop, j'ai tout qui est dans mon, pomme espace, j'ai tout qui est dans mon navigateur qui arrive. Donc, je vais aller sur une autre page parce que sinon, vous allez, hop, commencer à vomir. Mais voilà, si je fais NS quelque chose, ça va me rechercher des choses dans mon Notion. Si je fais, par exemple, Evernote, je fais ENS quelque chose, donc ça va search dans Evernote. Mais ça, c'est Alfred, c'est pour votre ordinateur. Typiquement, si je fais Chrome, ça va aller dans Chrome. Si je fais Gmail, ça va aller dans Gmail. Ça, c'est pour votre ordinateur. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans son navigateur? Et c'est là où on a donc ce petit truc qui s'appelle Motion. Alors, autre chose, quand vous allez ouvrir un nouveau tab, ce qui va être cool, c'est que ça va vous ouvrir tout ça. À droite, vous avez votre calendrier. Ici, vous avez les notes que vous avez prises et on va en parler. Et vous avez vos Google Documents. Alors, je vais passer directement sans plus attendre au Google Documents, au Drive. Le problème avec le Drive, c'est que c'est lent. Quand j'ai un document dans mon Drive, je vais dans mon Drive, ça charge. Clairement, moi, j'ai jamais compris comment était gérée leur page principale de Drive, parce que là, ils vont vous montrer les derniers documents, mais pareil, ça charge, ça met du temps. Les derniers documents sont ici, mais très honnêtement, c'est pas forcément ce que je veux à chaque fois. Et là, je vais aller chercher un document, par exemple facture, et là, il va me montrer, ça va prendre du temps, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer avec Motion, c'est que j'aurais plus qu'à faire, hop, pomme D. Et en fait, pomme D, ça va me permettre
hop, de directement aller chercher dans tout mon Google Doc les différentes choses qui étaient ouvertes récemment. Donc là, c'est super cool parce que ça va me permettre de passer beaucoup moins de temps. Ici, par exemple, ah, tac, et là, directement, ça va m'ouvrir mon fichier Google Doc. Et là, je peux vous dire à quel point, en fait, ça me fait gagner du temps, ce truc-là, parce que Google Drive, en termes de recherche, et pourtant, c'est Google, c'est horrible et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà pour cette petite fonctionnalité qui était l'option Google Doc. Vous y accédez avec option D, tout simplement. Autre chose, c'est l'accès à l'email rapide. Alors là, c'est par exemple quand j'ai envie d'envoyer un email. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ouvre Gmail ou Spark pour moi. Et là, je vais envoyer un email. Donc là, je vais faire N sur Google sur Gmail pour pouvoir envoyer un nouvel email. Sauf que là, c'est trop cool. Ça s'appelle pomme E ici, envoyer un email rapide, option E. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Option E. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec option E? Donc là, hop, vous êtes ici et là, vous vous dites option E. Et là, en fait, ça va ouvrir un petit truc ici, un petit truc dans lequel vous avez évidemment accès à votre email. Et là, hop, vous pouvez envoyer un email directement, puis ici, mais sans ouvrir. Et il faut savoir que là, votre site est encore dispo. Donc, si vous avez besoin de faire un copier-coller, hop. Et donc, ça, c'est cool. Ça évite de changer d'onglet juste pour toi, tac. Et là, votre pomme entrée et l'email est envoyé. Et ça, c'est trop cool parce que ça vous évite d'ouvrir un onglet Gmail. Et ça, moi, franchement, c'était un des trucs aussi qui a fait que, OK, j'étais prêt pour aller investir un peu et payer ces 20 balles par mois. Bon, autre chose, qu'est-ce qui m'a fait bouger vers ça? Et encore une fois, je fais de la pub entre guillemets, mais je fais de la pub parce que j'aime cet outil-là dont je vous parle. C'est vraiment pas parce que j'ai envie de vendre, parce que j'ai aucun intérêt à le faire, parce qu'il ne me donne pas d'argent. Si ce n'est, mon seul intérêt, c'est que vous soyez plus productif et que ça me fait du contenu. Voilà, tout simplement. Bref, on passe à autre chose, c'est LinkedIn. Moi, je fais énormément de recherches sur LinkedIn, aussi bien pour mes clients que en perso, que pour trouver des prospects, etc., etc. Et là, il y a un truc trop cool, sans ouvrir LinkedIn, qui me permet de faire des recherches sur LinkedIn, que je l'utilise vraiment de plus en plus. Eh bien, c'est avec LinkedIn Search option L. Donc, option L, si j'appuie sur option L, qu'est-ce qui se passe? Je fais pomme L, enfin option L. Et en fait, il va m'ouvrir un petit onglet LinkedIn qui va être en mode mobile, donc déprécié. Ça veut dire qu'il n'y a pas toute l'interface LinkedIn qui va se charger. Et là, directement, en fait, hop, je peux faire, si je cherche, hop, je vois directement tous les Simons ici. Et hop, je vois directement. Et cette personne-là, je vais pouvoir l'ouvrir ici, par exemple, si j'étais en train de rechercher. Et ça ne me fera pas 15 onglets LinkedIn ouverts sur mon navigateur principal, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai consommé cette recherche LinkedIn, je clique ailleurs et l'onglet disparaît. Et ça, c'est trop, trop cool. Donc là, option L pour LinkedIn. Et là, hop, ça ouvre un LinkedIn Search à chaque fois, un nouveau, en mode ce que j'appelle déprécié. Ça veut dire qu'il ne va pas charger toute l'interface LinkedIn, mais uniquement ce dont vous avez besoin. Et là, il y a un autre truc aussi qui vient dans ce même mode un petit peu. C'est avec Open Minitab. Et en fait, ça va pouvoir ouvrir un Minitab pour pouvoir faire une recherche Google. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. En gros, vous êtes ici. Hop, vous avez envie de faire une petite recherche Google. Là, et vous faites option O. Et là, voilà, un petit Chrome vient de s'ouvrir dans lequel je vais pouvoir faire une petite recherche. Par exemple, faire Digital Wink. Hop, et puis allez m'abonner à la chaîne, par exemple, si jamais c'est pas encore fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Et ça, c'est pas cool, c'est pas normal. Donc, je vous invite à vous y abonner. Hop, comme ça, c'est fait. Voici pour la petite vidéo de Julien qui est là, si jamais vous avez envie de la regarder. Bref, donc, option O pour pouvoir ouvrir une petite fenêtre Google. Et pareil, dès que vous cliquez hors de la fenêtre, elle a disparu. Et voilà, c'est parti. Donc, maintenant, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit logiciel? Je regarde juste rapidement les commentaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Ce sera intégré dans Secret? Je pense pas. Je sais pas. Il faut savoir que c'est une boîte assez neuve qui vient de rentrer à YC. Le CEO, par contre, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler. Il sait que je fais cette vidéo, donc ça, c'est trop, trop cool. Mais je pense pas que ça soit dans Secret tout de suite. Ils font aucun discount, aucun truc particulier. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est quand vous allez prendre un abonnement chez eux et que vous dites d'où est-ce que vous venez, je crois qu'il y a un mois offert. C'est le seul truc.
C'est le seul truc. Et je sais même pas s'il est un mois offert pour tout le monde. Je crois qu'il est juste pour la personne qui réfère ou un truc comme ça. Donc, clairement, il n'y a pas trop d'incentive. Qu'est-ce qu'on demande? Intéressant, personnellement, j'utilise Listary comme Alfred, mais pour Windows, pour rechercher dans mes fichiers et mon Google Drive est synchronisé sur PC. Alors, je t'avoue que je vais certainement passer à PC à un moment donné parce que mon Mac, je commence à craquer. Mais pour l'instant, vu que je suis sur Mac, je suis beaucoup habitué à l'écosystème Mac, donc pour l'instant j'y reste un petit peu. Donc je pense que Listeray, c'est comme ça que ça s'appelle, est une bonne alternative pour Windows. Bon, apparemment Jedi vient de prendre un truc Motion. Salut mon pote, mon frérot, parce qu'en effet, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'était mon cofondateur sur Flouze, qui était l'avance pour étudiants, une des startups sur lesquelles on avait bossé ensemble. Trêve de bavardage et de trucs personnels, on va maintenant passer à la suite et on va passer bien aux notes, parce qu'on peut prendre des notes dans Motion. Alors comment ça marche? Donc, par exemple, je vous repartage mon écran, je suis ici et là, admettons, je me dis « Ah, mais ouais, il faut que j'ajoute une refund policy dans ce que je voulais faire. » Et là, je fais « Option N » parce que N, ça commence par « Note ». Enfin, « Note », ça commence par « N ». Et là, je fais « Hop », j'attache le current website. Donc, je dis « Ah ouais, j'ai eu cette idée ici, blablabla, blablabla. » Et là, vous faites « Entrée », pareil, « Pomme entrée », pardon. Et là, à chaque fois que vous allez ouvrir un nouvel onglet, donc ça peut être l'équivalent du « To-do list », par exemple. Bon, moi, j'utilise pas du tout ça pour une to-do list, hein, mais en tout cas, ça me permet de mettre des notes dans la journée, par exemple, ce que j'ai besoin de faire, par exemple. Voilà. Moi, pour les to-do list, pour rappel, j'utilise un truc qui s'appelle Things, qui est bien plus stylé selon moi. Mais voilà, ça s'utilise pas mal. Il y a des trucs archivés, il y a des trucs. C'est un peu votre inbox personnel ici. Donc voilà, je l'utilise un petit peu, mais pas non plus tout le temps. Ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc option L, je vous ai montré, etc., etc. Il y a autre chose dans Motion qui m'a un peu entre guillemets fait convertir chez eux, et c'est une fonctionnalité que j'ai présentée au dernier live que j'ai fait avec Benoît. C'est le multitab. Alors ça, pour moi, c'est la killer feature. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on va sur un site, il se trouve qu'on est en train de travailler sur un projet. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur mon projet d'emailing et je veux faire pomme entrée pour aller sur un nouveau site. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, généralement, il m'ouvre un autre lien. Bon, ça, c'est cool, mais c'est quand même un problème parce que ça me fait plein de liens d'ouvert. Et là, ils ont inventé un nouveau truc, c'est option T. Et en fait, c'est un manager de links. Là, c'est trop cool parce que quand on a beaucoup de liens, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne s'y retrouve plus dans tout le tab qu'on a. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir faire option F pour trouver les liens en question. Par exemple, il y en avait un, c'était Motion. Et souvent, quand on a beaucoup, beaucoup de liens, ben, on ne s'y retrouve plus dans tous les liens. Si on a beaucoup d'onglets, pardon, on ne s'y retrouve plus. Et là, ils ont fait ce truc-là. Ils ont mis le manage. Le manage, ça vous permet de créer des workspaces. Par exemple, j'ai des workspaces qui sont déjà créés, typiquement pour club. Et là, je peux ouvrir un club dans un sub-tab. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va m'ouvrir un tab, mais il va y avoir ce qu'ils appellent, eux, des sub-tabs. Donc, en fait, c'est des sous-tabs dans… Très honnêtement, j'ai aucune idée de la vidéo qui va s'ouvrir, donc j'espère que ce n'est pas un truc un peu sensible. Hop. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir les sous-tabs. Hop. Tac. Bon, ça met un peu de temps, mais en réalité, là, ce qui se passe, c'est que voilà, ça ouvre ces petits trucs-là à droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, dans un même onglet, je vais pouvoir avoir des sous-onglets. Et quand je veux, je vais pouvoir fermer tout ce set de trucs-là. Je vais pouvoir locker mes workspaces. Donc, ça veut dire que si j'ai un workspace pour travailler sur une tâche spécifique, je vais pouvoir l'utiliser, par exemple. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Et notamment, cette histoire de workspace, moi, je l'utilise beaucoup parce que j'ai plein de projets différents sur lesquels je travaille. Et encore là, je vous montre juste ma manière de travailler perso. Sur mon compte perso, je ne parle pas de typiquement mes clients ou quoi que ce soit, où j'ai un Google compte séparé et j'utilise Motion aussi avec eux. Alors, si vous avez beaucoup de comptes, ne vous inquiétez pas, vous payez 20 balles, mais juste pour un compte, enfin, je veux dire, une utilisation. Si vous avez plusieurs comptes, vous n'avez pas à payer en plus. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, tu as un dashboard intégré dans Motion qui te permet de voir combien d'actions tu fais par jour pour évaluer le temps qui te fait gagner ça. Alors, en fait, Alfred, par exemple, permet de faire ça. Hein, ce qui est cool, c'est que dans Alfred, si je vais dans utilisation, ça, je l'avais déjà montré. Hop, il permet en effet de montrer que, regarde, tu as fait ça en tant qu'usage, ça t'a fait gagner tant de temps, etc., etc. Bon,
Sur Motion, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont donné cette cheat sheet pour pouvoir regarder ça. Et en fait, typiquement, vous avez votre hystérie et vous avez plein de trucs. Il y a un report sur votre productivité avec option K report. Ça, j'en ai pas parlé, mais option K, c'est un truc qui vous permet d'accéder à toutes ces choses dont on a parlé, mais sans les raccourcis clavier. Et ça, c'est vraiment cool. Et justement, il y a une fonctionnalité, et je m'arrêterai sur ça parce que j'avais promis que ça allait faire 20 minutes, ce petit live. Il y a une petite fonctionnalité, en fait, c'est report. Donc là, et là, on peut avoir une browsing report. Et là, ça me permet de savoir sur quel site j'ai passé du temps sur cette journée. Comme vous l'avez vu, ce matin, j'étais beaucoup en rendez-vous, donc je viens de commencer, entre guillemets, ma journée sur cet ordinateur, en sachant que j'ai un autre ordi qui a Motion intégré aussi, donc ce n'est pas la même session. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez ici dire, hop là, vous pouvez dire quels sont les sites qui me distraient. Et du coup, vous allez pouvoir, quand vous allez aller sur YouTube, Twitter, LinkedIn ou Facebook, par exemple, vous allez avoir un petit message en mode « Eh, mais t'es sûr que tu veux aller sur Facebook ?» Typiquement, dès que je vais aller sur Facebook, là, vous allez voir, il va me balancer une petite pop-up pour me dire « Non, mais oh, t'es sûr que tu veux aller sur Facebook ?» Mais si tu veux y aller, tu veux pas aller sur Messenger plutôt ?» C'est vrai que souvent, quand je vais sur Facebook, c'est pour aller sur Messenger. Du coup, souvent, je suis sur ça. Ou alors, si tu veux y aller, bon, OK, je te donne une minute pour faire ce que tu as à faire. Et puis, hop, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va me donner une minute. Et il me dit juste, attends, tu es sur un distracting website pour une minute. Et dès que cette minute sera finie, boum, il me renlève de Facebook. Et c'est pareil pour YouTube. YouTube, il y a même le fait que vous pouvez regarder juste une vidéo. Vous lui demandez la permission de regarder juste une vidéo. Et puis voilà, après, c'est terminé. Donc, voilà à peu près pour cette partie un peu distraction sur ce truc-là. Qu'est-ce qu'il me demande, Prakim? Il me dit, je viens d'arriver, tu peux recommencer depuis le début? Carrément, ok, c'est parti. Non, très honnêtement, je vais bientôt finir ce live, t'inquiète pas, ça va recommencer depuis le début. Donc, tu vas pouvoir re-regarder tout ça, tout simplement, Prakim. Et aussi, vraiment, sur la partie les sites qui distraient un peu, je trouve ça super cool parce que vous pouvez ajouter des sites genre Reddit, etc., qui vous distraient. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. La dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Pomodoro qui est certes assez connue. Donc, beaucoup de gens utilisent cette technique pour pouvoir travailler sur des tâches courtes pendant genre 20 minutes, par exemple. Ils vont travailler sur cette tâche. Et là, vous faites Pomka qui permet d'accéder à ce menu-là. Et là, vous avez plein de choses, des choses dont on n'a même pas parlé, notamment les snippets, par exemple. Je reviens après sur les snippets. Mais vous faites Pomodoro et là, vous faites Start Pomodoro Timer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit timer à droite qui vient. Qui est là pour 24 minutes et en fait, vous bossez dessus, vous bossez sur un truc et il y a ce petit truc à droite. Comme ça, vous savez que vous avez juste 24 minutes pour bosser dessus. Dernière fonctionnalité, c'est les snippets qui sont accessibles avec option P. Et là, c'est les petits trucs dont vous avez le droit ici c'est les petits trucs dont vous avez ici la visibilité pour pouvoir les réutiliser. Donc là, hop, vu que j'en ai sélectionné un, si je fais pomme V là, hop là, il m'a collé ce petit lien que j'avais enregistré. Comment est-ce que vous créez un snippet? C'est simple, vous allez faire pomme K et vous créez ce snippet. Voilà, tout simplement, j'ai l'impression que… alors, qu'est-ce qu'il me dit, Corentin? Il me dit, on peut aussi regarder les vidéos de Shubham qui distrait. Je crois que tu peux ajouter certaines sources dans les sites distrayants et tu peux regarder pour ajouter juste la chaîne de Shubham si tu le souhaites. Mais très honnêtement, je t'avoue que ça me ferait plaisir si tu continues à regarder. Donc, voilà un petit peu pour cette petite masterclass sur Motion. Sachez en tout cas que ça n'a rien à voir avec Notion. Hein, c'est pas du tout pareil. Cette fois-ci, ça marche sur PC parce que je vois qu'on me demande que ça fonctionne. C'est vrai qu'Alfred, c'est juste pour Mac, mais Alfred, c'est pour votre ordinateur. J'ai l'impression que l'alternative, c'est plutôt ce que nous a dit Benjamin tout à l'heure. Alors, pour votre Chrome, c'est un peu le Alfred pour Chrome. Et très honnêtement, je commence à être vraiment, vraiment pas mal là au niveau de son utilisation. Le seul downside, merci beaucoup, moi aussi je t'aime, sache-le, Parking. Le seul downside, c'est que c'est cher, c'est 20 balles par mois. Et ça, je vais voir si je vais payer au long terme, si ça sera quelque chose qui va m'intéresser ou pas. Mais voilà, je voulais vous partager un peu cette petite chose. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que je peux te poser une question concernant Secret, please? Écoute, avec plaisir.
Qu'est-ce qu'on me dit? Génial, le taylorisme au boulot de consultant. Eh ouais, 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 la taylorisation. En effet, c'est ce qui se passe. Salut Philippe, que je salue, avec qui on échange par mail. Donc, c'est super cool. Merci beaucoup de me suivre pour tout ça. Je crois qu'il y a un déluge dehors, très honnêtement. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, hop, je me porte très bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça fait plaisir. Et surtout, ça me permet de faire visionner cette vidéo à plein d'autres personnes. Salut, dites-moi ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Ah oui, aussi, parce que moi, ça m'intéresse. Je fais des lives beaucoup plus longs, mais maintenant, j'ai envie de me remettre à faire des vidéos plutôt courtes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.